Ben voyons. Maman, essaie de comprendre. Quand même, ce serait juste une demi-heure. Ils nous demandent de pas visiter des personnes âgées au CHSLD. Non, je sais pas le dire. Mais maman, c'est dangereux pour toi. Mais si t'attrapes le virus. Ben voyons donc. J'ai pas envie qu'un moment donné, ta voisine appelle les préposés pour dire que ça fait 3 heures qu'ils entendent ton blender à vitesse maximum. Oui, mais pourquoi? Là, ils arrivent chez vous, puis la première affaire qu'ils voient, c'est le chat avec ta perruque dans la gueule. Tu pourrais bien venir juste une demi-heure. Ben, je voudrais bien, maman. Ben ouais, tu mais... comprends pas. Ah ben fais donc ce que tu veux, OK? Bon, regarde ce qu'on va faire. Maman? Oh, quoi? J'arrive-tu à temps pour mon petit caneton de Lidon qui a l'air contrarié? Hein, Jean-Charles, mais qu'est-ce que c'est ça, cette petite face de chanteur devant 4 fauteuils pour tourner que je vois là? Jean-Charles, t'es pas supposé être ici, là. Ben, voyons. T'as pas vu le COVID-19? Stop, compte-moi pas à la fin, je suis même pas allé voir le COVID-18. Ah, c'est une niaiserie, Jean-Charles. T'es bien fin de me voir, Jean-Charles. Moi, je suis supposé rester chacun chez nous. Voir si je vais laisser mon chum broyer tout seul. Pourquoi tu broyais, d'ailleurs? Ben, je peux pas sortir pour aller voir ma mère qui est en calice puis comprend rien. Ben, tu vas le voir sur Netflix à un moment donné. Non, c'est pas un film de Xavier Dolan. En tout cas, je le trouve pas. J'étais curé de pas sortir, c'est tout. Hey, mon chum, regarde ce que je t'ai apporté. Hein? Tada! Un saut d'astronaute. Regarde la marque. Gucci, tabarouette, Jean-Charles. Avec ça, tu peux sortir où ce que tu veux, tu pogneras rien, mon gars. Ça va coûter une fortune. Hey, mets ça tout de suite, va vider une tablette chez Costco. Alors, ils sont toutes vidées, les tablettes chez Costco. Mais voyons donc, j'ai tout bien entendu. Peux pas croire qu'il en reste pas une. Viens pas me dire que t'as jamais eu besoin de 92 packs de 3 bouteilles de sauce aux huîtres. T'es tellement fin, Jean-Charles. Ah ouais, mets ça.